Elle s'appelle Juliette Dourdan et son sujet, c'est la synthèse du glyco-conjugué comportant un analogue de l'antigène TN pour l'immunothérapie antitumorale. Je m'en suis sorti. Maintenant, c'est à elle. On l'accueille. Bienvenue au musée. Ici, les galeries regroupent des œuvres de grande valeur. Alors forcément, les agents de sécurité sont hyper entraînés. Pourtant, un jour, un tag apparaît. Puis, une œuvre est échangée contre une copie, et toutes les nuits, ça recommence. Alors que tout le monde sait qui fait le coup. C'est Monsieur Crabbe. Mais que fait la super sécurité ? Bien, en fait, cette situation, elle est assez similaire à celle qu'il se passe dans notre corps lors de l'apparition d'un cancer. Les cellules cancéreuses, à l'image de Monsieur Crabbe, prennent rapidement possession des lieux notre corps, pendant que la sécurité, qui est en fait notre système immunitaire, n'y voit que du feu. Alors, oui, de nos jours, certaines thérapies ont bien fait leurs preuves, mais elles touchent aussi les cellules qui ne sont pas malades. C'est comme si, au musée, pour neutraliser Monsieur Crabbe, on faisait appel à une équipe externe qui détruirait aussi des œuvres et une partie du bâtiment. Mais, et la sécurité dans tout ça? Si on la mettait à niveau, on pourrait s'en servir. Donc, autrement dit, comment mettre à niveau notre système immunitaire pour qu'il repère un cancer en développement et qu'il intervienne rapidement? Eh bien, c'est tout l'objet de ma thèse. Je travaille sur la conception de vaccins anticancéreux. Dans notre musée, cette fois-ci, cela reviendrait à infiltrer un agent secret, ultra équipé. Il pourrait alors donner l'alerte, informer la sécurité sur Monsieur Crabbe, puis booster les équipes. Ce type d'agent secret dans la nature, il en existe. On les appelle les antigènes. Ce sont des molécules qui activent le système immunitaire. Puis, elle lui signale précisément une cible à abattre. Et justement, parmi ces antigènes, il y en a qui indiquent précisément les cellules cancéreuses. C'est parfait. Oui, mais non. Ces antigènes, ce sont en fait des agents feignants. Ils activent mal le système immunitaire. Or, pour le vaccin, on a besoin d'un James Bond, pas d'un OSS 117. Mais pas de panique, c'est là que j'interviens. Moi, en tant que chimiste, je peux le fabriquer, ce James Bond. Ma méthode, c'est de m'inspirer de la structure d'un des OSS 117. Moi, je travaille avec l'antigène TN. Puis, au laboratoire, je construis une molécule qui lui ressemble, mais beaucoup plus compétente. Ça revient un peu à faire de la cuisine avec des molécules. En plusieurs étapes, je peux obtenir cet agent. Puis, en rajoutant des étapes, je peux équiper cet agent d'autres molécules pour obtenir le vaccin, qui réussira peut-être à réveiller notre immunité, pour que, enfin, le musée qu'est notre corps puisse exposer en toute sécurité.